Quand je suis stressée, j'arrive plus à respirer. Bonjour, je suis Sophie Dussart, comédienne, coach et formatrice en prise de parole et je vous aide à être percutant face public ou face caméra. Aujourd'hui, dans Un truc en deux minutes, je vous parle de la respiration. Lorsqu'on a le trac lors d'une prise de parole en public, en général, les gens me disent « j'ai du mal à respirer, j'ai le souffle court, je me coince ». Eh bien oui, pourquoi on a ce souffle court? C'est parce que vous montez la respiration, vous êtes en apnée haute, vous êtes coincé, vous avez coincé votre diaphragme. En fait, c'est un peu comme si vous étiez surpris tout d'un coup, je vous fais un énorme bouh, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire « voilà ». Vous avez coincé votre diaphragme, vous avez amené l'air dans les poumons et en général, on ne s'en rend pas compte et on parle et on continue de parler et voilà, et on est sur cette respiration haute. Alors, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est respirer, libérer votre diaphragme. Donc, lorsque vous vous rendez compte de cet état, c'est inspirer et lâcher. Lorsque vous êtes détendu, vous allez commencer à respirer. Alors, il faut respirer par le ventre. Donc, on inspire, un, le ventre, deux, les poumons, et puis on expire. Toujours, on commence par le ventre. Et on expire. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Inspirez. Et expirez. Ça va permettre non seulement de détendre le diaphragme, mais également les cordes vocales et aussi le cou. Souvenez-vous, si je fais... Je suis coincée, je me coince le cou. Et l'appareil phonatoire, c'est tout le haut du corps. Donc, il faut détendre ça un maximum. Et vous pouvez vous entraîner, si vous le souhaitez, à respirer chez vous, faire une bonne respiration ventrale. Avant de monter sur scène, un bon... Une inspiration. On inspire. Et puis, on commence à parler. Ce conseil vous a plu ? Alors ne manquez surtout pas la série des prochaines vidéos dans lesquelles je vous parlerai de la peur. Pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne et actionnez la petite cloche. Un avis, une question, rendez-vous dans les commentaires. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien !